pas mal occupé. Il y a toujours de la place pour une personne de plus. Allez, salut à tous, c'est Mafia830 et bienvenue. Bienvenue, comme vous avez pu le voir, dans le cauchemar de Nostramax. Oui, je t'avais même pas le titre dès le début, je l'invente tout d'un coup. En compagnie de Windy Blood, salut oui, à toi. En compagnie de Windy Blood qui est là et je précise que ce connard, juste pour me faire chier, dit j'ai trouvé le titre, il me dit ça hier soir en allant dire j'ai le titre, je sais quoi le titre, tu le sauras quand on enregistrera. C'est ça, c'est ça. Hey. Aïe, ça commence déjà. Ça... Ouais, mais ça va se bagarrer, c'est dans l'ambiance, c'est bon enfant, regardez, hop, c'est bon enfant. Ouais, mais par contre, on va se calmer. On va peut-être commencer. On peut commencer l'aventure d'Astramax, les gens ils sont là pour ça, ils sont pas pour pouvoir une guignole taper sur un autre. Hein. Et du coup, c'est parti pour. Rien ne m'arrêtera. Tu arrives trop tard. La liche quête ça, ainsi que 14 bourses impitoyables vous attendent à l'intérieur. Prêt à vous mettre vos compétences à la preuve. Battez-les pour obtenir des cartes d'Astramax. Unique. C'est ça, unique que tout le monde aura. Et on est parti. Ah, j'ai une carte unique. Moi, attends, j'ai chut, chut. Ouverture de la nécropole pour la première fois. Accès obtenu. Oui. Puisque le premier accès est gratuit si vous voulez profiter et participer. Ouvre la deuxième semaine. C'est le début. On est mercredi. On est parti. Et on ouvre la première clé. Ça fait comme dans les arènes, en fait. Ouais. Comment... Il y a trois combats, on dirait. Trois combats et le boss, on dirait. Ouais. Et du coup, c'est... Ah, j'ai été dessus. Rampante hantée, Red Lagoon, invoque deux araignées spectrales 1-1. D'accord. Et du coup... Anubrekan. Ça le dit, t'inquiète. Alors, bonne chance. Oh, bonne chance. Avec sa voix, plus bonne chance. Oui, on a qu'un casque, donc. Et si quelqu'un sait comment on fait pour en brancher deux? Ce serait pas mal ça. Anubir est l'un des plus puissants seigneurs de l'araignée de l'ancien royaume, Narashi. C'est parti. Bon, on va jouer avec mon petit voleur que j'ai fait. Il l'a pas encore connu. Joli hein. Petit voleur. Camouflage des araignées. Ah, il y a même ça qui est nouveau. Camouflage des araignées. Création de l'ambiance. L'extrait pas d'action, je vous avais construit un deck personnalisé pour les écrans. Suture des serviteurs. Anus Reka. C'est stylé avec. Ouais. Tu crois qu'il y aura encore parti. Qu'il y en aura parti. Attends. Tac, on va virer. Alors, on va se permettre, j'espère. On sait pas qu'est-ce qu'il a comme carte, hein. Ça se ouais. Que tu vas le regretter, à lui donner des cartes. Ouais. Attends, on voit les nouveaux décors aussi. Ah, les araignées de bras. Bonjour. C'est quoi ce pouvoir héroïque? Invoque un. Oh bien, 3-1. T'as, j'aurais dû jouer mage au fait, alors. Plutôt. C'est mage que j'aurais dû jouer. Quelle horreur ce pouvoir héroïque! Je vais avoir mal, je vais devoir. Non. Pièce, qu'est-ce qu'il va jouer avec pièce? Seigneur de la mort, provocation râle d'agonie, votre adversaire. S'il veut bien. Votre adversaire place un serviteur de son deck sur le champ de bataille. Mais quelle horreur! C'est une 2-8? Oui, mais ça veut dire que quand il meurt, c'est toi qui a une carte qui est invoquée sur le tapis. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une 2-8? Je vais devoir piocher. Je peux rien faire d'autre? C'est horrible! C'est horrible! Camouflage, gagne +1/+1 au début de chaque tour. What? Mais c'est quoi ces cartes? Il est en train de dire merde. Je suis obligé. Mais quelle horreur, elle va être 3-3, mais quelle horreur. Tu la laisses tout le long du jeu, hein, et tu finis à 30 points de vie. C'est quoi qu'il a posé? Non, ça va. Oh, il s'en débarrasse. On va voir. Il a posé. Début de votre tour, rend tous ses points de vie à ce serviteur. Ah, à lui quoi. Du coup, on va pouvoir faire comment? Allons-y. J'ai pas le choix. A-t-on vraiment le choix? Non, je ne pense pas. Non, j'ai pas le choix, mais là, juste avec cette carte-là, il survit, hein, c'est ça le pire. Ça, c'est une carte de base. Un poison, s'il vous plaît, un poison. Si j'ai pas. On va voir ce qu'il va me mettre. Un acolyte de souffrance. Ça va rien de faire aujourd'hui. Si c'était le soigner. Et lui donner des cartes, ça serait. Mais j'ai pas le choix. Ouais.
Je suis obligé que mon deck il avance, hein. Je serai me soigner au moins et à meneur des fias. Wouah, c'est chaud! Sincèrement, c'est chaud. C'est chaud. Alors, Jack, toi, tu as un deck mieux construit que le mien. Alors, moi, quand je vais jouer de mon côté, parce que je découvre en même temps que lui. Parce que Dieu n'a pas voulu me laisser jouer. Attends, on va ici, ça. Et on va commencer. Hop, je vais avoir mal. Non, là. Non, ils vont tous être tués. Hein. Il faut que. Il faut que quoi? Ouais. Il faut que quoi? Je suis obligé. Ouais. Pas le choix. Moi, je vais piocher deux fois, tu me diras. Voilà. Je peux me dire que. Je peux faire ça. Dans ses points de vie. Et je me dis au prochain tour, je peux faire un déluge de l'âme. Ouais. Inflige 3 points. Mais c'est quoi cette carte? C'est quoi? Ah, le Monikodo qui va me sauver. On va soigner par contre. Hein. Voilà. Ouais, franchement, j'ai mal. Il recommence en plus. Mais ça coûte 7 quand même. Hein. Réellement, c'est cher. Non, ouais, c'est un peu comme. Ouais, c'est un siphonné l'âme, mais au lieu de 6, c'est 7 mana. Ouais. Du coup, je vais me dire qu'il n'y a plus de sorte de zone. Oui, il a utilisé les deux, je suppose que c'est la règle. Non, pas plus de deux fois la même carte. On sait pas ce qu'il a encore. Il peut encore avoir des sortes de zone. Très long. Très bon. D'accord, il a des pouvoirs de démoniste. Ok, c'est un peu comme un doministe. Encore ça. Pas grave, ça je pourrais. Ah non, même démoniste, pas. Démoniste, mâche tout ce que tu veux. D'accord. Je peux même pas renvoyer ma carte. Petit Leroy. Petit deck. Ouais, ça c'est. On sent mal là. Mais là, si on peut tenter le Leroy double sang froid, il le remet. C'est craqué quand même comme carte. Deuxième éclair de JV passé. Du coup. Non, d'abord commencer avec ça. Ouais. Oui. Commence avec ça. Un déluge des lames. Ouais. Est-ce que j'ai le choix? Tu vas plus que la marque unique. Est-ce que j'ai assez? 4 plus 2, ça fait 6 plus 6. Ça fait 12 plus ce sang-froid. Voilà. Fou! C'était chaud! Pourquoi? C'était chaud! T'as pas trouvé? 35. Ah. Moi je veux dire. Attends. On a eu récompense, remportante débloquée. Mais c'était dur. Sincèrement, c'est chaud. C'était dur. Et encore, parce qu'une fois que tu auras fait ça, tu pourras faire le défi de classe, le mode héroïque. Détruis tous ces serviteurs parce. Ah, c'est un. Comme un cobra, ça. Ouais. C'est un peu comme un cobra. En 2-8. Mm-hmm. Écoute, 6 en même temps. Bon, maintenant, on va affronter. La grande veuve administrise le quartier des arachnides et apprend aux acolytes à vénérer leur maître. Est-ce que ça va mieux aller? Ça, parce qu'on était quand même mis de l'huile. Emploi d'une pièce truquée. Des odeurs en fraîcheur immonde. On va voir ce qu'elle va dire. Putain, quel nom! Sans poser de questions. On va voir si son pouvoir héroïque, s'il fait si peur que ça. J'ai pas la pièce. J'ai pas la pièce donc.
pas bon comme mince. Attends, on va commencer avant que... Parce que je sais que ça va se passer ainsi. Ça va, un dragon. Alors, tu tires un missile pour chaque carte dans la main de votre adversaire. What? Tire un missile. En gros, si t'as 4 cartes, elle tire 4 missiles. Il recommence avec ça. C'est quoi encore ça? Râle d'agonie inflige 3 points à votre héros. Et il en met 2. Il a charge en plus, ouais. Et bon, quand elle meurt, elle t'inflige des points de dégâts, donc c'est un malus. On va poser ça. Ça compte même sur le dragonnet. En gros, c'est comme un cours vengeur. Ça met aléatoirement. Quelle horreur. Votre héros a plus d'attaque pendant ce tour. Comment ça? Oh, quelle horreur! Mais on va se faire déglinguer! Un peu! Comment je vais faire? Un déluge des lames? Un déluge des lames, c'est bien, mais elle a le reste? Oui, mais l'autre, elle lui crève, le 2-3. Tu peux refaire ta dague et ça fait le temps. Ah ouais. Ah mais je suis déjà plus qu'à 14. Tu as échoué. Ah oui qu'il a échoué. Calme. Plus un chaque fois que vous invoquez. Un type avec Ralgoni. Raldegoni invoque un 4. Faut surtout pas que je la tue. Ah ouais mais ça c'est beaucoup beau ça. Chaque fois que vous invoquez un serviteur avec Raldegoni. C'est un putain de combo. Et je peux pas la tuer sinon c'est... T'as une chouette ou quoi dans ton deck non? Non, pas dans un deck ainsi. T'as rien qui radio au silence. Ah bah non. Non, si je fais ça, c'est pas bon. Je peux limite la renvoyer, mais... Ouais, deux mains. Faut absolument tuer l'autre, parce qu'ils ont plein de trucs avec Râle d'Agonie, donc elle va nous booster à chaque fois. C'est un acolyte de souffrance qui booster au Râle d'Agonie. Ouais, la 0-2 maintenant, elle va... Plus... Ah, il recommence encore avec ça. Il recommence encore avec ça, et 3 missiles. Ah ouais. Phew. C'est temps de nous, c'est temps de nous. Je suis obligé, hein. La lame de perdition, la lame d'assassin. Sauf qu'elle me sert pas maintenant. Et ça me sert à rien de la renvoyer, parce que... Il recommence. Ça va, la moins pire est morte. Les damnés se tiennent. Faut faire plus 3 PV à un serviteur aléatoire. Oui, ça c'est la carte du prêtre que tu peux débloquer. Ah ouais. Je suis à 4 PV. Oui, aïe aïe. Si là-bas, on changera de deck. C'est la première défaite. Je vois pas comment m'en sortir. Moi non plus. Je vais t'avouer, je vois pas comment m'en sortir. Parce que ça fait toujours 3 et avec son missile, ce sera assez. Ah ouais, je vois pas comment m'en sortir. C'est un peu un game over. Il y a le Leroy qui tombe maintenant. Ouais, mais le Leroy, il n'y a pas de sang-froid et rien. Ah, je perds. Tu peux tuer la 4. La 1-4. Même pas, parce que 3, il aura assez. Ouais, je pense qu'elle est foutue. Ouais, la partie est foutue. Non, je vois pas comment m'en sortir. J'essaie de chercher, mais... Tu tues la 3-4. Non, elle est plus 3-4. Non, c'est point de vie. Ah, mais tu me dis ça. 1, 2, 3. Je peux le tenter. Je peux le tenter, mais voilà, elle va faire ça. Ça va faire ça. Et voilà. Voilà. Fouah! C'était chaud. On va changer de deck. Qu'est-ce que tu peux prendre comme deck? Ah, on va essayer avec mon petit guerrier. Guerrier ou le voleur aggro? Non, avec le...
Ah, mais c'est lequel que j'ai fait? Ah non, c'est dans ton deck que j'ai fait le vol. Oui, t'as fait un guerrier avec mon deck, mais j'ai plus de cartes que toi. Ouais. Petit voleur aggro. Ouais, c'est le voleur aggro, sinon je ferai une petite ellipse et j'essaierai de faire un deck parce que je vois vraiment pas comment je peux m'en sortir. Ils disaient, ils avaient dit que c'était pas pour rire. Ouais, c'est pas pour rire, hein. L'extension là. Mais je pensais pas à ce point là. Déjà le premier c'était. Je pensais pas que c'était à ce point là. Et je commence toujours. Hein. Je crois que c'est décidé que tu es obligé de commencer le deuxième. Ah, il me claque, il tombe pas. Ah. Et là, qu'est-ce que je mets? Le roi muc là. On va mettre ça. Déjà, le... Il peut pas le jouer sauf s'il fait pièce. Non. Déjà, la technique avec elle, c'est déjà d'avoir le moins de cartes possible en main. Donc tu me dirais de pas la poser. Et allez hop, ça doit avancer. Pourquoi tu déduis ça? À genoux, vermisseau. Ah! C'est d'avoir le moins de cartes possible en main. La lumière nous protège. Allez, faut taper. Et espérer. En fait, là, il faut vraiment aller à la go. Ah bah oui, oui, de toute façon, c'est un deck comme ça. Là, c'est, t'as intérêt à aller vite, sinon t'es foutu. Ouais. Ça va pas être bon, j'ai envie de piocher, mais... J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Le mec là. Leroy. Je combat. Allez, il y a les deux légendaires en main. Ah, il est meulé. Oui, oui. Mais il met que ça. Tu peux le meuler encore avec les bananes. Ah donc je pense que ça muc là, il en aura une quand même. Il en aura une, mais après quand il piochera, il aura une carte mêlée de son deck. Sauf qu'il pourra taper avec. Pour bah, ah, puisqu'il oui. Va lui mettre une banane. On va quand même le faire. Tu peux l'assommer. Tu peux l'assommer, il va la perdre. Ouais. Voilà. Mais oui, mais ça revient forcément, oui, puisque c'est comme si. C'est, puisqu'elle est détruite, elle meurt. Ah bah oui. Mais moi je me suis détruit la carte comme quand tu pioches. Ah bah non, elle meurt. Et du coup, il met une banane dessus et du coup, elle meurt. Vous me rejoindrez tous dans la mort. Ah ouais, bah oui. Venez vous battre, Vermine. Quelle horreur. J'ai pas pensé à ça, oui. Forcément. Je sais ce que tu peux faire là. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que celle du milieu, c'est râle d'agonie, détruit les serviteurs adjacents. Ouais. Tu mets ton golem et tu mets le sang froid dessus. Ou tu mets le golem, tu fais le golem agent du SI7. Bah, je vais plutôt faire ça. Ça va la tuer, elle tuera les deux cartes à côté d'elle. Ah ouais. Ouais. Tac. Ça tue les deux alors. Bah, c'est hyper compliqué. Nickel ça. Boum. Voilà, on a joué avec ses propres cartes. Et là, j'ai encore un Leroy avec un sang froid. Est-ce que je peux en finir déjà maintenant? Alors, Leroy, 6 plus 4 du sang froid, ça fait 10. 10. C'est, ça, ça c'est... Fait non. 16. Oui, avec tout ce que t'as sur le tapis avec le mouc, là, c'est bon. De toute façon, j'ai pas de l'ombre et tout. Oui, mais même encore. 16. Ça a été mieux. Mais fallait le prendre de vitesse, au fait. Voilà, le petit aggro a bien fait. Fallait le prendre de vitesse. Alors maintenant. Attends. La reine des araignées va t'expédier en un rien de temps. Récompense. Les serviteurs avec cri de guerre contre 2 cristaux de plus. Donc mon Leroy coûterait plus. Puisqu'il a cri de guerre. Il a un cri de guerre? Ah bah oui, invoque de. Ah oui, oui. Ah du coup on aura la carte là. Attends. Est une araignée géante. Cette reine araignée géante donne naissance à un innombrable petit araignée qui se nourrissent de cadavres d'intrus. Toujours l'aggro. Son pouvoir héroïque coûte 3 cette fois-ci, donc ça doit être pas mal. J'ai vu aussi qu'il y en avait qui avaient des pouvoirs héroïques qui coûtaient 1. 1. La gare, il coûte 3. Moi je le garderai le golem. Ouais, on sait jamais. Je sais pas ce qu'il a, mais...
Allez. Ouais. Ah mais j'ai pas la pièce. Bah, à mon avis, t'auras jamais la pièce. Donc. Oui, je pense que. Ce poison te tuera sans douleur. Et du coup. Un serviteur ennemi aléatoire dans la main de votre adversaire. Un serviteur ennemi aléatoire. Cher quand même, hein. Ça va, il est pas si terrible comparé à l'autre. Ah, les fameuses araignées. Ça n'ira pas en tenter. Je vois pas l'intérêt de m'en occuper. J'aurais dû. J'aurais dû m'en occuper. Ouais. Ouais. Le loup peut-être alors. Plutôt. Ça va être dur. En même temps, c'est le dernier comme ça. Ah non, cette carte-là encore. Encore celle-là. Tu l'as gagné. Mais il va en avoir 2, 1, 1. Ah ouais. Tu mets le meneur des fiers. Moi je dis meneur des fiers et je tape dedans. Ouais, et on espère le déluser l'homme. Et on espère peut-être qu'avec la 3-3 il tape dedans. On voit un serviteur aller à la toi. Revois un serviteur allié. En gros, elle te pique un adversaire. Renvoie un serviteur allié dans votre main. Ah, elle me renvoie une de mes cartes qui est là. Mais du coup, attends. Non, je crois qu'elle. Elle si, prend... si. Regarde, Ragoni renvoie un serviteur allié aléatoire. Ah oui, ça rend. Ouais, non, mais. Sa main à elle. Ah ouais, mais bon. Genre, tu prends l'exemple, tu la joues. Elle coûte combien pour voir c'est... Ah, elle coûte cher quand même. En classé. Ouais. Et. Tu tues un Ragnar avec, tu piques le Ragnar. Enfin, s'il n'y a que le Ragnar sur le tapis. Parce que c'est un serviteur aléatoire. On va faire comme ça plutôt. Ni cuillère, il n'y a pas de long. Je vois pas l'intérêt de lui tuer. Forcément, il l'a remet. Rajoute. Râle d'agonie. C'est à chaque fois des râles d'agonie. Ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. Ouais, je peux. La lumière me protège. Ouais, limite, je peux faire ça. T'as qu'avec avant. Pour ? Parce qu'il vit qu'il renvoie un serviteur aléatoire s'il prend celle avec laquelle tu peux attaquer. Renvoie un serviteur lié aléatoire dans votre main. Non, 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 c'est ses cartes à lui, hein. C'est ses cartes à lui, je te dis, tu vas voir. Regarde. Regarde. Hop, il prend une de ses cartes, tac, ça la ramène. Attends, mais je fais une carte en main sur le tapis. Ouais. Du coup, c'est tout. Je voudrais bien un déluge des lames. Comment appelle-t-on un joueur dont le serviteur vient de se faire entoiler ? Un condamné. Un condamné. C'est beaucoup des petites cartes qu'il a. Ouais. Le déluge des lames ferait du bien. C'est pour ça que je l'attends en fait. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Provocation invoque. Détruire serviteur. Alors. Invoque un gelé 1-2 avec provocation. Ah, fais chier qu'elle soit là. Fais chier qu'elle soit là. Parce que tu vois, je voulais bien enchaîner. Si par contre le déluge des lamiton maintenant, tu pètes un câble puisque j'ai plus de poison. Ouais, mais c'est des reins. Disfrais sa fête et puis le ramène à la vie avec tous ses PV. Ah oui, ah ouais, un râle d'agonie, il se met. Ah ouais, par contre là il vient de perdre une carte. Ouais. Mais bon, le déluge des lames, et là il sert plus à rien. Mon déluge, si, il sert, mais si, il sert.
Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qui peut déjà quasi en finir? Et moi je peux pas en finir avec mes pas de l'ombre et tout bazar, j'ai pas assez. Regarde ça! Pas de l'ombre de merde qui servent à rien avec le sang froid et tout. Voilà, ben ça c'est quand le deck dit je ne veux pas. On va voir combien j'aurais fait. Parce que j'ai pas calculé. J'aurais pas fait 27. Je peux déjà inclure les rois du 6. Avec les rois. J'étais pas loin en plus hein. Le déluge de l'âme. Là c'est peut-être mieux de jouer avec un mage. Y'a ça. Si avec le Leroy j'avais assez. Le Leroy. J'avais assez. J'avais assez. Il faudrait quelque chose avec de la zone. Alors un paladin, un prêtre ou un mage. On peut tester le mage. On peut tester mes choix. Parce que bon, avec le mage, t'as le tir des arcanes, t'as l'explosion des arcanes. Non, c'est projectile, pas le tir. Le tir des arcanes, c'est avec le chasseur. Ouais, ouais. Pas la même chose. Projectile des arcanes, explosion des arcanes, feu. Eh, par contre, chasseur. Eh, par contre, chasseur, lâchez les chiens. Ah, oui, là, lâchez les chats, tu te fais plaisir. Je vais chercher. Je vais la protéger sur le fury parce que le pauvre, il a pas défenseur d'Argus. Ouais. Moi je me demande qu'est-ce que ça donnerait si je jouerais avec mon démoniste. Ah, tu verras bien, tu verras bien. Avec le Jaraxxus. Ah. Je peux rien faire encore. T'as des blizzards dedans. Sûrement. Ouais, ouais. Un blizzard peut-être. Sûrement. Je vais la mettre. Non. Ouais. On va voir ce qu'il va faire. Que ça va là, avec le pouvoir. Disais. Avec le pouvoir, on peut pinguer tous les uns et tout ça. Ouais. Mage des Karentor. Nous avons de nombreuses. Ouais. À un moment donné, ça va nous faire gagner un tour bien précieux, je pense. Ouais. Ah, oh, le fameux. Le fameux combat. Forcément, il récupère. Ouais. Ah, ça par contre. Ouais, il va forcément le tuer. Tac. Ça va, tu peux taper l'apprenti. Pinguer, hein. Je sais pas. Je peux. Ouais, je peux. Je pourrais faire les deux. Ça, ça va nous être fort utile. Est-ce que je la mettrai pas et que je vais dans les points de vie même. Puisque c'est qu'une 1-4. Ouais. On verra plus tard sur les moyens sur la chambre. Flamme, chose comme ça et... Ouais. Et puis on a une explosion des arcanes. On va voir ce qu'il va faire lui par contre. Qui va nous être extrêmement utile. Dommage qu'il fait pas. Il faudra un dégât des sorts. Ou même je peux jouer. Les deux, mais tu peux pas jouer sur... Ah, il l'a bien fait. Tu peux pas faire sur la camouflage. Ouais, il a bien joué là. Ah, ouais, il a bien joué là. Et il a bien fait. Sincèrement, je préfère jouer l'explosion des arcanes quand la 1-2 sera morte. Vu qu'elle va faire deux petites 1-1. C'est plus vite cliné. Voilà. Il va vouloir taper dans, logiquement. Il va taper avec la... Un géant des mers. Et là ? Il n'a pas approuvé cette carte. Il n'a pas approuvé cette carte. Parce ouais, que ça, ça rien, sert à rien à foutre là. Ah. J'ai pas assez. Non. Ce que je peux faire, oui, c'est jouer le géant. Hein. Et tuer. Tuer et même. Je sais pas. On va peut-être en tuer. Par contre, elle revient.
Tac tac. Ouais. Boum. Voilà. Il y avait que ça qu'à faire. Géant par contre, je sais pas, il faut un moutmout. Un moutmout ou une boule de feu. Forcément. Ah, tu me le renvoies. Ah, tu me le renvoies, il va être soigné. Hein. Ah, boule de feu, Salvatrice. Et va lui donner une carte à manger. Voilà, on va lui donner. Le cobra c'est son deuxième. Ah non, il me le renvoie encore, c'est vrai. Chaque fois il va me le renvoyer. Et il met ça. Ça par contre c'est dérangeant. Ça par contre c'est fort dérangeant. Ça fait quoi encore? Il va renvoyer le cobra. Ouais. Je dirais il pourra pas attaquer le cobra s'il la repousse. Ouais. Ah pour l'instant on contrôle. Je peux faire ça. Ah, si il est obligé de taper dedans, mais tu peux faire aucun seul dessus. Ouais, par contre. Je suis obligé de mettre les deux dedans et elle va revenir. Ou le moutmout. Ou la moutmout. La moutmout et. Ça me fait chier de la ping. Je voudrais bien poser ça. Êtes-vous prêt pour ça? Je m'en cherche. Voilà. Voilà, comme ça, laquelle? Ah! Fallait que ce soit celle-là. Tu l'as posé pour rien. Réincarnation. Il va le faire encore, le fameux. Une tisseuse! Une deuxième tisseuse. Il peut... En même temps, il n'y a plus de cartes au moins. Ah, t'as vu, il y a une nouvelle carte pirate. Non, non, c'est... tu connais pas? Le perroquet? Non. Le perroquet du capitaine? Le... C'est parce que personne la joue. Le fameux perroquet. Qu'elle fait quoi encore le... place à pirate aléatoire de votre... De votre deck, de votre main. Il n'y avait pas de pirate donc... du coup... Je m'en charge. Voilà. Forcément. Je te la renvoie toujours. Ah ouais, il va me faire ça à l'infini en fait. Il peut. Ah ouais, il peut me faire ça. Il faut que j'ai des petites cartes parce que sinon il va me faire ça à l'infini. Tu peux pas poser les deux? Non, je m'en pose. Je vais pas la tuer parce que ça serait pire qu'au mieux. Je sais pas s'il a des bêtes. Et il me la renvoie, il me la renvoie. Qu'est-ce que... Je peux pas. Je peux pas. Tu sais moi qu'est-ce que je fais? Quoi? Je pingerai la tisseuse. Ouais. Et je gèle ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? Rien. Je pense que ça lui donne une carte. Non. Ah non, mais non, normalement la tisseuse ça invoque. Attends. Forcément, il va encore me la renvoyer. Oh, plus avec ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Chier de siffler. En plus. Oh, tu étais bien, ouais. Elle pouvait pas tomber avant. J'ai pas le choix. C'est pas grave qu'il pose des cartes. Ah, loup. Il va faire son pouvoir, c'est ça? Même pas, il va... Ah non! Non! C'est pas grave, c'est pas grave. Choc de flamme. Oui, je vais faire ping et choc de flamme. Ouais. Là, et petit choc de flamme, et on clean tout le board. Voilà. Tout le board est clean. Ah non, ça. Voilà, là je peux mettre les deux. Ça, ouais. Alors en plus elle est boostée. Et là. Il va le faire une fois. Laquelle? Ouais. C'est toujours l'archimage qui dégage. Il va la... Chier. Et encore une fois, je vais pouvoir rien faire. Pas reposer l'archimage. Ah décidément. Ah sauf si elle devient trop gênante. La ouais.
Il y a des petites cartes dans ce deck, je m'en rappelle plus. Il y en a. Il y en a. J'espère. Contre-sort, ça peut être bien. Oui, mais. Mais même on peut rien s'il fait ce pouvoir de merde à chaque fois, hein. Prêt pour ça. Je vais juste l'empêcher d'attaquer là. Bon, je crois qu'après faut leur faire le moutonner. Oui, mais. Tu pourras encore rien faire en gros. Tu mets le contre-sort. Et quoi, je fais rien du tout. C'est quand même une 2-2. Tu peux silence une des araignées, hein. Et au moins il peut me le renvoyer, il y aura le silence. Ouais. Pourquoi le moutmout? Pourquoi? Je pense qu'on a utilisé le coup de feu, non? Je pense. Tout ce que je vais pouvoir faire, c'est le gelé. Il va encore faire ça. Je pourrais le geler tous les tours. Tu peux geler le géant tour par tour, hein. Et bon, il fait quand même mal à chaque fois, un point de dégâts par point de dégâts. Il fait encore le même, hein. Il fait encore la même chose. Un petit blizzard. Mais ça va, ouais, ça va le geler. Oui, ça va le geler. Ça lui fera 2 points de dégâts. Sauf qu'il y a un problème là. Déjà, pings en une. Ouais. Aïe 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 aïe. J'ai encore perdu. Mais c'est quoi ce deck? Bah c'est des petits mobs. J'ai pas assez. Non, t'as pas assez. C'est quoi ce deck? Et ça, t'as plus. Non, de toute façon, j'ai perdu. Attends, 5, 6, 7, 8. Oui, il manquerait qu'un. Je suis obligé. Fils, il est chiant avec son truc. Juste avoir de l'armure qu'on va avoir. Tu sais qu'est-ce qu'il nous faudrait? Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Y'a rien qui peut nous sauver la là. La vapeau. La vapeau et quoi? Il va taper avec une 1-1. Ah, il va taper avec une 1-1. Eh, jusqu'à maintenant, les 1-1, elles tapent en dernier. Hein. Pourquoi? Parce qu'il tape. La vapeau. Mets la vapeau. Pourquoi faire? Il va taper avec une 1-1. C'est un secret, il va taper avec une 1-1. On va voir. Si c'est là. Regarde. Voilà. Et il y en a un qui va crever. Le géant. Ah non. Ah ouais. Ouais. Bam. Une grosse carte en moins. Ouais. Encore un irubien. Mais sauf que là, il me finit à petit feu à chaque fois. Regarde, j'ai plus de cartes. Lui non plus. Choc de flamme. Choc de flamme. Et elle? Et elle? Tu la gèles. Hey elle! Non, 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 non! Pourquoi? Parce que il va renvoyer un serviteur aléatoire, tu sais pas lequel il va revenir. Et je fais que là je l'ai? Oui, mais tu vas mourir, c'est normal. Oh, essaye, vas-y. Ping une arme. Ouais, encore. Forcément, encore ça. De fixe. Sort. Tant mieux parce que c'était sûrement le nérubien qui voulait faire. Hein. C'était pas un problème. Merde, si c'était pas un problème en fait. J'aurais choc de flamme. Non, j'aurais. Si j'aurais assez, attends. Pour faire tout. Attends, 1. 9, 10, ouais. Mais faut espérer, hein. Faut espérer. Espérons, espérons. Oui. Bien joué. Et vu que tout va crever, il reverra aucune carte. Ah bah non, il va gagner. Bah oui, puisque je peux pas. Non mais même. Je vais la poser. Il va la renvoyer encore et encore. Mais ah ouais. Gars, tu vas voir.
Et en plus. Ah, mais niveau point de vie, c'est qui est le plus dans la merde? Eh, on est dans la merde, même si on gagne un tour. Bah, non, même, on sait pas. Ah! Moi, je dis, faudra faire une vengeance la prochaine fois. On n'aura pas le choix. J'essaierai de refaire un deck par rapport à comment est l'adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis. Soutenez-nous. Soutenez-moi. Surtout. Ah, ça, c'est parce que tu n'as pas Jaraxxus. Ça y est, ça. Mais t'as plus sur les Nirex ou Jaraxxus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh, yeah!